Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un nouvel indicateur très puissant et très souvent utilisé par les traders professionnels, l'indicateur CCI. Donc nous allons tout d'abord commencer par paramétrer notre outil d'analyse que nous mettons à disposition sur notre site dans la partie outils. Donc comment nous faisons cela ? Donc lorsque nous passons la souris sur le graphique, on peut voir qu'il y a un onglet options, disclaimer, détache et options qui s'affiche en haut. On va cliquer sur options et on voit apparaître une petite fenêtre. Donc le premier onglet, on peut voir qu'il s'agit des valeurs, des devises, euro, USD, etc. Donc on va choisir notre devise. Ensuite on clique sur OSC. On voit apparaître un onglet volume et on va se mettre sur CCI. Voilà. Donc ensuite, on va changer la première valeur. On va mettre à la place du 2, on va se mettre sur 14. Voilà. Et on peut fermer notre petite fenêtre. Donc on peut voir en bas un second graphique qui vient d'apparaître. Ici, sur le côté, on voit une ligne qui correspond au 0. Et notre méthode, eh bien, elle est très très simple. Il s'agit de parier à la hausse lorsque la courbe coupe le 0 au-dessus et à la baisse lorsqu'elle coupe le 0 vers le bas. Donc on voit deux exemples ici. Il y en a plein d'autres sur la courbe. C'est relativement une méthode qui est très simple. Donc on va le faire tout de suite. On peut voir ici sur l'euro USD eh bien, qu'elle s'apprête à couper vers le bas et donc on va parier en put. Donc par exemple 100 euros et on applique. Et on va passer en accéléré pour aller voir le résultat. Donc juste avant la barre des 3 minutes, la période des 3 minutes, on a la possibilité encore de multiplier. Donc là, je vais faire multiplier par 6. En espérant que ça marche. Voilà, donc c'est super. Donc là j'ai pris quand même un gros risque, mais ce qui me fait quand même un gain de 528 euros sur un seul trade. Donc pareil, même chose, on peut voir ici que la courbe vient juste de couper la ligne des zéros du bas vers le haut, et donc on va venir parier en call. Donc 100 euros, et on applique. Voilà, donc le pari est gagnant, donc ce qui me fait un gain de 88 euros. J'ai pas pris la même prise de risque que tout à l'heure. Voilà. Donc, même chose, là on voit sur cette valeur USDCHF que ça coupe du bas vers le haut, et donc on va venir parier en call. Donc 100 euros. On applique. On voit que le taux est un peu plus faible, il est à 79% sur cette valeur. Et voilà. Donc encore un trade gagnant. On retourne sur le graphique, euro-USD, cette fois-ci, même chose que le trade d'avant. Donc, si vous avez bien compris, on parie en call. 100 euros, et on applique.
Voilà. Ben super. Donc ça me fait encore un trade gagnant. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est une méthode qui est vraiment vraiment simple. Attention quand même. Bon là j'ai eu beaucoup de chance, mais ça marche pas non plus à tous les coups. Faut bien évaluer le temps. J'espère que cette méthode vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine méthode. Au revoir.